Maintenant... Si je passe... Bah, je vais passer en illustre. Il me faudra juste 500 de thunes pour pouvoir créer un nouveau pays. Là, le royaume... Oui, j'y repaye aussi pour 500. Après, de toute façon, je pourrais pas usurper. Enfin. Je ne pourrais pas faire le. L'objectif du royaume de Bourgogne. Et... Ah bah, je l'ai même plus de toute façon. Donc bon. On va mettre ça. Ouais, faut juste que j'attende d'avoir 500. Et j'ai gagné énormément d'unités là par contre. Je suis passé de 4000 et quelques à 5000. Mais j'ai. Ouais, j'ai encore les mercenaires, je crois. Ouais. Juste les prolonger, j'ai pas envie. Attends, c'est juste des piquets. Reste à 5000. Ce qui est pas mal. Bon, le seul problème maintenant, c'est si je veux récupérer ce duché, je dois m'attaquer au roi de France. Mais le duché de Savoie est indépendant. Enfin, en plus, une petite alliance avec avec Bourbon, ça c'est bien, parce qu'ils sont assez forts. Là, je suis plus fort que l'Aquitaine aussi. Plus fort que l'Italie. Je dois être un peu plus fort que la Bavière même. Organiser un banquet. Bref, voilà, pas besoin. Ah, on a accès aux croisades. Gamin, le pape. Il a 21 ans, le pape. Ouais, j'ai une bonne armée. Ça va être sûrement le vin de Bourgogne qui fortifie tout ça, en effet. Comte Bern a engendré une faction du peuple vaudois, Swab. Ah, ils sont Swab et vaudois. Eh ben. Alors que toi, t'es catholique français, tu veux pas convertir un petit peu ton territoire, là ? D'ailleurs, oui, j'ai pas fait ça. Quasiment bon. J'ai complètement zappé. M'occuper de ça. Je vais demander de l'or un petit peu à mon chef de foi. Si, parfait. Et je peux fonder mon nouveau royaume. Voilà, maintenant je suis devenu le roi de Bourgogne. Roi Ganelon de Bourgogne. Voilà, ça claque. Ah, maintenant je suis un peu plus fort que les autres. Ah, j'ai perdu quand même des unités. Avec tout ça. J'ai trop de duchés possédés. Je vais garder quand même le duché de Bourgogne. Duché de Haute-Bourgogne. Je vais le donner à quelqu'un. Oui, j'ai à Brest qui est dedans. Qui est à mon... Ouais, c'est pas très grave. Alors, à qui je peux donner ça? Si je peux avoir un... Un mec qui est très bon en intendance. Ça peut être cool.
Alors lui, faut que... Non, je suis en train de faire. Toi, t'es à 22 dans tendance, quoi, ça déconne pas. Après, toi, t'es à 19 dans tendance. Mais t'es à 22 ans. Ouais, c'est pas mal. Je vais lui donner. Ah, faut que je lui donne ça et ça. Voilà. Ouais, bah si, autant lui donner ça. Hop. J'ai encore perdu pas mal de troupes, mais c'est pas grave. Parce que quand même, à 4000, c'est pas trop mal. Toujours aussi merdique. Faire une croisade sur Jérusalem. Et ben, allons-y. Une liaison prison. Mes sœurs, elles sont vieilles. Mon fils, ouf. On va prendre elle. Hein. 38 ans, ça va. Encore trop vieux. Le problème c'est que là j'ai perdu Bornibourg. Il faudrait que je récupère genre Auxerre ou Nevers. Enfin, ça reste au roi de France quoi. C'est le problème. Et que ça de toute façon, ça ne peut rien m'apporter. Je gagne. Herboris. Et on va se faire de l'argent. Acheter ça. Allez, quand ça... En 13 mois, la guerre pour Jérusalem. Oula, oula, ils sont énormément. Ah, je suis celui qui a la plus grosse armée et tout le reste, c'est... des nuls, quoi. Fille plaisance. Allez, tu t'appelleras comme moi, Ganelon. Ouais, j'ai pas envie de faire un banquier. Ils font une petite guerre interne. Quel âge là? 49 ans. Attends, on dirait qu'il est vachement vieux. Elle est morte de malnutrition. Ah bah en effet. Ouais, ça se voit ouais, qu'elle était mal nourrie elle. En même temps, c'était des plus vieilles sœurs. Il y a 32 membres vivants dans la dynastie. C'est quand même pas mal. Des ducs, des princes, c'est bien ça. Il n'y a pas beaucoup de reines. Hein. Alors que mes... Ouais, ça copule quand même pas mal. Je sais pas si ça montre aussi les bâtards. Ah bah ma soeur est morte aussi. Elle a bu jusqu'à en mourir. Yes. Il y a une anorexique et une alcoolique. Bon,
mon conseiller est mort de vieillesse. Je crois que ça montre... Ah si, ça montre les bâtards aussi. Oh, mais j'ai... Un archevêque tout merdique. Chiotte. Il y a 8, quoi. Je vais mettre encore 4 ans pour convertir le comté. Quel enfer. Et dans 5 mois, on part à Jérusalem. Ah, c'est bon, les gens ont commencé à rejoindre. Le Jarl d'Islande. 2800 hommes, le Jarl d'Islande. Ah, il se met bien. Merde. Le roi a été fait prisonnier, le roi de France. Par les paysans. Ah. Est-ce qu'ils ont sorti la guillotine? Il a perdu la guerre. Oh, il est vraiment nul. Ils ont plus d'hommes, quoi, les Français. Ils se font rincer. Ouais. Et c'est pris une petite révolution dans la tronche, à le roi de France. Tonnerre, je peux créer un bâtiment. Ça c'est pas mal, et ça c'est pas mal aussi. On va faire ça. Un chouïto, ouais. Ça va en 939. Ouais, inconstant c'est bien. Ben, des Ozult, hein. C'est où j'ai rue, c'est ici. Secret dévoilé, merde. Le comte Guichard. Le comte de Sens. A une liaison. Avec son amante. Comtesse de Dole. Bravo. Je jugerai les pêcheurs. Ah, revendication. Dolian. Ah, il y avait une guerre là. Je sais pas. Ok. C'est bien de me prévenir quand il y a des guerres. Par contre, le Jarlsland d'Islande, elle va mettre 2000 ans à venir. C'est un peu loin, Islande-Jérusalem en bateau. Ça fait une petite trotte quoi. Mais non, c'est l'Empire byzantin, ils sont gentils. Gauthier, ouais, t'es nul. Oh, on fout de toi. Par contre, il va falloir se ramener là, les petits potes. Si vous voulez faire la guerre. ...25 000 contre 18 000, ouais. Heureusement que je suis dedans quand même. Là, il y a... Mais ils vont où? Et où est-ce qu'ils vont?
Où est-ce qu'ils vont tous? Ils ont pas compris? Et c'est pas par là, Jérusalem. Là, c'est l'Écosse, ça. C'est pas Jérusalem. Non, ça, c'est la Suède aussi. C'est pas Jérusalem. Je sais pas trop ce qui branle, mais... C'est que si je viens là, je pense qu'ils vont tous se ramener pour me casser la gueule. Et ça va pas être fou. Ouais, easy en dracard, ouais, si on veut. Ouais. Technique d'esquive. Alors. Ils passent là, par l'Estonie, ils descendent par là, pour arriver dans le dos de l'ennemi directement. Dans à peu près 125 ans, ils sont arrivés. Pour le moment, je suis premier contributeur. En même temps, les autres ne font strictement rien. Oh, où est-ce qu'ils sont là? Pas du tout où ils sont passés. Là. Ah, ils redescendent, ils reviennent. Ah, ils ont compris. Ils ont regardé leur GPS, là, ils se sont dit merde. On n'est pas dans le bon sens. Bon, ça fait déjà 2 ans que je suis là, j'ai fait ma petite tente et tout. Ah, je vais voir 18 000 hommes qui vont débouler par là, je vais pas faire le fier. Eh, 3%, hein. Une discussion suspecte. Je traverse la dans les châteaux. Dans la voie de Sarrazine. D'Argentina, je suis mon oreille. C'est une discussion à propos du prince évêque. Je supporte pas. Ouais, je peux faire un défi d'intrigue, mais. Ouais, probablement rien d'important. On va les laisser tranquilles. Non, arrêtez d'essayer de me draguer, s'il vous plaît, mesdames. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je comprends rien à ce qu'ils font, c'est insupportable. Je vais me mettre ici pour reprendre un petit peu de provisions. Donc ici ça va juste stagner en fait. Ils se rendent compte qu'ils sont genre beaucoup moins nombreux. Allez, Gelduin, c'est très bien. Et ils sont inconscients. Ils vont se faire rétamer là les Islandais. Oh là là. Quel enfer. Ah, on va voir la culture, c'est fait.
On va faire dans l'autre région. Aosta et Berne, il me reste. Commencez par Berne. D'ailleurs ici. 23 mois, 17 mois, 5 ans. Pardon, le viennois, c'est le plus rapide. C'est que si je viens ici, je vais me faire ouvrir à tous les coups. Ils sont tous par là. Si je reste trop loin, bon. Ils arrivent. Avec vos armées là. Qu'est-ce qu'ils font? Sérieusement? Ah. Ma femme est morte. Stérile, parfait, toc. 55 ans. 50 ans, c'est bien. Là, il y a 14 000 hommes qui arrivent. Sens aussi maintenant. Pouh. 2 ans, allez, 21 mois à Aosta. Normalement, si je prends le territoire, ça va remonter mes provisions. Oui, les pyramides de Gizeh. Bah oui, c'est bien de se stack à 13 000 sur une région qui peut avoir 6 000. Des putains de génies, ça encore. Ah voilà, mes provisions remontent. Je vais attendre un peu parce que partir sans provisions, c'est jamais une très bonne idée. Mais ils sont pleins ici. Ouais, ils veulent pas venir. Non mais faut pas y aller là. Ah si, ils ont converti le comté, parfait. Ma pauvre fille. Nos prost a un cancer. Ah, faut prendre des. Un traitement drastique. Bon, elle est borgne, mais plus le cancer. En vrai, les 13 000 hommes ils sont là, c'est le moment de partir sur Géru. Allez, go baston! C'est le moment.
Normalement, on doit gagner. Par contre, faut que les autres arrivent. Voilà. Au sens du développement. Allez, gravé avec ma tronche dessus. Je suis quand même le nouveau roi de Bourgogne. Aller récupérer la bande de Gaza. Reste premier en contribution, c'est bien. Ah, ils se sont pris une bonne fessée là. Et c'est pas fini. Ah, normalement on passe, ouais. 20 000, ils ont quand même perdu 5 000 hommes dans l'histoire, parce qu'ils étaient à peu près à 15 000. Ou peut-être 13 000. Entre 3 000 et 5 000 hommes, on va dire. Ça leur a bien fait mal. Ah. L'Islande revient. Eux aussi, ils se sont pris une belle fessée. Mais ils désespèrent pas, ça c'est beau. Il y a 8000 hommes. Est-ce qu'ils vont reprendre le territoire ici? Ouais, ils vont reprendre ça. Après, s'ils viennent pas sur nous, c'est pas très grave. Hein. C'est bon, le pape il prend Jérusalem. Juste que je reste premier. Comme ça j'aurai un mec de ma dynastie qui sera roi de Jérusalem. Tiens, c'est le reine, c'est vrai. C'est pas une descendante directe. On va rester là. Normalement, ils vont prendre Jérusalem et ce sera gagné, je pense. Ce baston contre une armée de zéro. Et j'ai quand même capturé quelqu'un sur les zéros. Et ça c'est beau. Alors la voix de la raison. Il va chercher l'action et se dispute. On va essayer de trouver un compromis. Oh, parfait. Et je deviens architecte. Il y a 5 mecs qui essaient de reprendre une ville. Un chevalier avec 5 pégus à l'assaut du château. Pas juste la bataille, ça a donné 47% de victoire. C'était pas mal. Hein. Ah, ils arrivent. On avance rapide un peu. Oh, t'es fort aimable, Béatrice. J'ai pas de stress.
Il y a point S. Ah non, il y a Béatrice. Un nouveau complot à la cour. Oh putain, mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Je pense que quelqu'un a planifié un assassinat sur la prisonnière. Oui. Qui est le con qui va essayer de tuer des prisonniers? C'est débile. Donc déjà prisonnier. Toi t'as fini le contrôle comptable. 20 mois, 19 mois, 16 mois, 4 ans. 16 mois ici. On va directement attaquer la capitale de l'Empire. Sur moi. Et ça va gagner. Je suis arrivé juste à la fin. Et voilà. La victoire. Deus Vult. Maintenant j'ai la comtesse Sophie de Neugève. Ici. Et la reine Bertha de Jérusalem. Ma nièce. Elle s'est mariée avec un nain. Ouais, ok. Oh là, mais c'est quoi ce gamin? N'empêche, grands-parents, c'est Basileus. Et Charles IV d'Aquitaine, c'est pas mal hein. Par contre, faut que tu fasses d'autres gamins quoi, tu vas pas rester avec ça. Pas mal, maintenant on a une partie de la dynastie qui est à Jérusalem, en espérant qu'elle reste. Je peux fonder un ordre sacré? Oh ouais, allez, tant qu'à faire. Alors, à Autun. À Chaumont. Beaune. Ouais, mon bar. À Autun. Ou un semi-embryonné. Ouais, le semi-embryonné aussi. Allez. Ça me coûte 500. Et 1000 de fois. Et voilà, on a fondé en plus les Templiers. Ça c'est pas mal. Et ben on est pas mal hein, dans cette petite partie. On a récupéré pas mal de territoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Guerre contre la tyrannie, d'accord. Avec deux grandes armées, hein, 142 et 39. Pas mal, pas mal. Donc, je pense que je vais arrêter là, mais on a fait une bonne session, avec une indépendance bien méritée. Roi de France qui est... qui est dans la merde, hein, on peut le dire, il ressemble plus à grand chose le roi de France. Le prochain objectif ça va être de finir avec la Savoie. De prendre peut-être le PACA. Et après, essayer de s'étendre un petit peu là-dessus sur la Francie occidentale. A voir. Ah, y a plein de petites régions qui sont toutes seules, pas d'alliés, y a rien. C'est... des petites cibles faciles. Je pense que ça peut être pas mal. Ça, on verra ça la prochaine fois. Donc moi, j'arrête ici pour ce soir. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée. Et au revoir.